Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne d'Aurore et Émilie. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi en Belgique pour le circuit entre l'Est et l'Homme. Donc, c'est un circuit de 78 km que l'on va faire en 3 jours et 3 nuits de bivouac. Donc, on va découvrir ça ensemble, c'est parti! Franchement, depuis tout à l'heure, j'en prends plein les yeux, c'est magnifique. Voilà, donc là j'ai trouvé le petit spot pour la pause de ce midi. Hop, voilà. Avec la rivière en face. Et donc là il est midi 40. J'ai commencé à marcher à 9h. J'en suis à 13 km. C'est-à-dire que je suis passée de 78 km à indiqué 65. Donc voilà, pour la matinée c'est bien. Je suis contente, j'ai fait ma première rencontre animalière. J'ai croisé une biche qui traversait la route. Donc ça, c'était joli à voir. Et franchement, de très belles surprises ce matin. Des odeurs absolument esquives, des lumières sublimes. Et le chant des oiseaux, de l'eau, du vent. C'est vraiment une très bonne matinée. Voilà, donc le repas de ce midi, ce sera donc saucisson, comté, pain,
et snacks salés. Bon voilà, pause du midi terminée, donc il est 13h45, j'ai fait une heure de pause, maintenant c'est reparti. Regardez-moi ces couleurs et ce ciel. On serait dans une peinture. C'est magnifique. Bon ben voilà, il est 16h moins le quart. J'en suis à 20 km de parcouru. Je vais me poser pendant une petite vingtaine de minutes et repartir ensuite. En vrai, les brownies, c'est la seule gourmandise que j'ai apportée pour le trip. Parce qu'il faut quand même prendre de la nourriture vraiment nutritionnelle quand on marche, etc. Mais avoir ce genre de petites choses de temps en temps, ça peut plaisir quand même. Pause terminée, c'est reparti. Bon ben voilà, me voilà arrivé au premier lieu de bivouac, donc à l'aire de bivouac de Biolin. J'ai installé ma tente, je vous montrerai après, et là maintenant c'est l'heure de l'apéro bien mérité. Aujourd'hui j'ai fait 26 km. Alors pour l'apéro, qu'est-ce qu'il y a? Du coup j'ai pris du saucisson, du comté, j'ai un peu de noix de cajou, et dans cette flasque j'ai ramené de la bénédictine, c'est un petit souvenir de Normandie, voilà. Santé.
Bon ben voilà, journée terminée. Je me suis mis en pyjama, brossé les dents. Et bon, il est 21h, mais je suis toute claquée, il est temps de dormir. Voilà. Je vous dis à demain. Bonne nuit. Bonjour à tous. Là, il est 8h30. J'ai remballé les affaires et ce que je vais faire, c'est que je vais marcher jusqu'à la prochaine source d'eau pour me ravitailler. Parce que là, il me reste plus que 200 ml. Donc, apparemment, elle est dans 4 km et je prendrai mon petit déjeuner là-bas. Je ferai ma première pause là-bas. A tout de suite. Décor de Miyazaki. En fait, ça me fait un peu penser à l'abribus dans Mon voisin Totoro. Je sais pas vous. Alors, pour ceux qui aimeraient faire ce circuit, il faut savoir qu'il n'y a pas de ravitaillement en eau potable dessus. Donc, il est indispensable pour vous, si vous souhaitez faire les 3 jours, de prendre un système de filtre à eau. Et moi, là, par exemple, je viens de croiser une rivière, je n'ai plus d'eau dans mes gourdes, donc je peux récupérer l'eau de la rivière. Après, si vraiment vous ne voulez pas boire l'eau de la rivière ou que vous ne souhaitez pas acheter de filtre à eau, vous pouvez toujours prendre les variantes qui amènent aux différents villages, mais ça vous fera pas mal de kilomètres en plus, quoi.
Bon ben voilà, je suis bien arrivée au deuxième lieu de bivouac. Donc je suis arrivée vers 17h. J'ai fait une journée de 23 km et il faut savoir qu'il y a pas mal de monde sur cette aire de bivouac parce que en Belgique le bivouac sauvage est illégal. Donc il y a des aires spécialement dédiées. D'ailleurs ça arrive qu'il faille même réserver son emplacement, voilà. Donc maintenant là je suis posée et c'est l'heure de l'apéro. Matin du troisième jour, il est 7h moins le quart, je me suis réveillée à 6h moins le quart, j'ai remballé les affaires, rangé la tente et aujourd'hui je démarre assez tôt parce que c'est la plus grosse journée de marche en termes de volume kilométrique. Là j'ai 28 km à faire. Je compte bien marcher ce matin pour pouvoir y aller plus tranquillement cet après-midi. Ce matin, je fais une pas des meufs parce qu'il pleut un peu et étant donné que mon portable n'est pas waterproof, je préfère pas prendre le risque d'abîmer le matériel. Mais là, pour l'instant, c'est une bonne matinée. Comme je vous avais dit, j'ai démarré à 6h45 et là, il est 10h30, je fais une petite pause. Et je suis vraiment contente parce que ce matin, j'avais plus que 200 ml d'eau, voilà. Et sur la route, j'étais en train de penser justement au fait de m'arrêter à une rivière et prendre le temps de faire bouillir l'eau, etc. Et en fait, j'arrive au croisement d'une ferme. Le chemin passe par une ferme à un moment donné. Et là, il y a une maison. Sur le chemin, je me disais, ah, ça serait trop bien, je croise une maison. Comme ça, je peux demander de l'eau et je suis tranquille, quoi. Et du coup, bah, j'ai demandé et j'ai eu mes 2 litres d'eau, comme quoi l'espoir fait vivre. Du coup, j'ai mes 2 litres d'eau, je suis tranquille pour la journée. Ça va, je suis en dessous d'un grand arbre, du coup je suis à l'abri de la pluie. Et du coup, je peux m'aérer les pieds, faire un peu sécher les chaussettes. Voilà. D'ailleurs, oui, ça c'est une technique que je vous conseille vraiment. Moi, depuis que je l'ai apprise, c'est simple, j'ai plus du tout de cloques où c'est très rare. Vraiment, c'est vraiment quand j'ai pas pu m'arrêter pendant un moment et qu'il a plu toute la journée par exemple. Mais dès que vous faites une pause, n'hésitez pas à enlever vos chaussures, chaussettes. Comme ça en fait vos pieds, la température de vos pieds redescend et donc ça limite l'échauffement, les frottements et donc les cloques. Parce qu'en fait c'est le combo frottement plus chaleur qui forcément crée une brûlure que sont les cloques.
Donc voilà, dès que vous faites une pause, n'hésitez pas à enlever chaussures, chaussettes et à faire redescendre la température des pieds et faire sécher les chaussettes. Ça vous évitera d'avoir des cloques. Voilà, petit conseil du jour. Bon, je profite de ma pause et on est reparti. Bon, je vous reprends. Alors, j'ai fait ma pause du midi sur un banc et c'était assez mémorable parce que là, en vrai, je viens de me faire saucer et c'était trop marrant parce que j'étais avec deux flamands. Moi, j'étais déjà posée sur le banc. Il pleuvait pas encore fort à ce moment-là. Et ils me demandent, vous déjeunez ici? Du coup, moi, je leur dis oui, donc ils se joignent à moi. Et là, à 5 minutes après, bim, grosse drache. C'était limite un déluge. Et nous, on était là-dessous, on mangeait notre saucisson tranquille. Franchement, c'était mémorable. Du coup, ce que j'ai fait après, bah, évidemment, j'étais trempée. Et j'ai été chercher le soleil, parce qu'après, il est revenu. Et je me suis posée à un endroit au soleil pour bien repartir sèche. Donc, ça y est, je suis repartie. Là, il va être 14h et il me reste à peu près 8 km. Donc c'est cool. Bon ben voilà, je suis bien arrivée au camp. C'était une grosse journée aujourd'hui. Donc une étape de 28 km plus un petit détour de 2 km ce matin parce que je me suis trompée de chemin. Mais je suis arrivée assez tôt, vers 16h30. Bon, en même temps, il faut dire que je suis partie à 6h45. Mais sinon, très bonne journée, très beau paysage. C'est vraiment un circuit que je recommande parce que en fait, tous les chemins sont différents et c'est en pleine forêt, en pleine nature, on voit des animaux. Je vous conseille vraiment ce circuit. Donc c'est plutôt une bonne étape. Grave bon. Après une journée comme ça, c'est réconfortant. Alors là, du coup, c'est mon dernier repas du séjour. C'est des nouilles avec de la soupe aux champignons lyophilisée et un œuf dur qui me restait. Voilà. Bon appétit. Bonjour à tous,
Il est 7h. Ça y est, j'ai remballé le camp. Et là, il me reste plus que 2 km jusqu'à la voiture pour repartir. Voilà, c'est la fin de cette aventure. Je suis retournée au point de départ sur le parking de l'Est. C'était vraiment un circuit magnifique que je conseille à tous. Pour ma part, c'était un plaisir de vous tourner cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça ferait plaisir. Et à vous abonner pour ne rater aucune de nos prochaines aventures. Voilà, à la prochaine. Bye.